Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve pour une vidéo du mode multijoueur de Modern Combat 2 Black Pegasus. C'est pour une partie en ligne. Donc je vous invite à regarder la partie 1 de la vidéo. Donc je vais vous présenter le jeu. Et là c'est une petite partie rapide en multijoueur pour vous montrer comment ça se passe. Donc ce ne sera pas une partie commentée, tout simplement parce que déjà que j'ai un peu de mal à jouer, si je parle en même temps, ça va être plus dur. J'aurai plus de facilité avec une partie commentée sur Call of Duty, Modern Warfare 2, le vrai par exemple, que celui-ci. Donc, comme vous le savez, je suis un big boss et je vais jouer uniquement au sniper. Donc, dans 35% des cas, je vais me faire tuer, mais royalement. Oh, vous avez eu ça, no scope. Eh, c'est pas magnifique tout ça, no scope. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh là là, je lui ai mis un no scope, il est pas mort. Oh, je me suis suicidé avec la grenade, punaise, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, si je pouvais l'améliorer, ça serait pas mal. Bon, j'ai pas trop. Ah, on peut pas. Attends, c'est nul. C'est nul, je pensais qu'on pouvait au moins l'améliorer. Toi, bouge pas. Oh oui, 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 oui. Il y avait quelqu'un là. T'es qui toi? Ah, t'es pas mon pote toi. Non, vite, vite. Non, putain, c'est vraiment trop nul. Je lui mets 2 balles, il meurt pas. Bon, je vous laisse observer et je vais essayer de me concentrer un petit peu. Oh, c'est nul, c'est nul. Je change d'arme. Désolé, on va l'essayer aux pompes. Parce que c'est trop nul. J'ai mis 2 balles, il n'est toujours pas mort. Enfin bref, vous avez compris. On va attendre un petit peu pour prendre un autre sniper. Oh, même le fusil à pompe, hein. Ah bah dis donc, il est dû maintenant. Ah, il était derrière. Non, on va y aller au couteau. Voilà, au couteau c'est... Bon, vous avez compris, le fusil à pompe c'est pas top non plus. On va y aller avec la AK-47. Bon, voilà, je me jette la grenade dessus. Et je me fais tuer par l'arrière. Hop, il est ici. Au couteau. Ouf, hein, j'ai eu vraiment de la chance. Allez, hop, toi aussi, voilà. Bon, je vais essayer d'aller prendre un peu de recul sans mourir. Oh punaise. Oh, il y a quelqu'un là-bas, je sais pas si vous l'avez vu. Je crois qu'il y a bien quelqu'un. Couteau. Couteau. Oh non, je l'ai. Oh, je l'ai cuté. Ouais, ça c'est le genre de campeur qu'on retrouve sur la PS3 et la Xbox. On se demande pourquoi les gens ils sont là quoi. On sait pas. Ouais, il y a encore un mec là. Lui il bouge pas. En coup de couteau. Coup de couteau! Oh putain, c'est nul. Allez, ça c'est n'importe quoi ça. Je sais pas si vous avez vu, hein, je suis juste à côté. Et il réapparaît devant ma tête. Est-ce que c'est normal ça? Non, mais c'est n'importe quoi. Voilà, il réapparaît encore derrière moi. C'est normal ça. Pff, alors, ça c'est le genre de jeu, je pense qu'il va m'ennuyer un petit peu. Enfin, je vais arrêter ce mode de jeu déjà surtout. Du match à mort, c'est... De toute façon, c'est dans tous les jeux comme ça, hein. Même sur Call of Duty, on se retrouve avec des gens qui apparaissent de n'importe où, de devant, derrière, etc. C'est... Allez, les deux en même temps, voilà, parfait. Bon, je crois que j'en ai eu qu'un, mais c'est pas grave. Oh bah là, je sens que je vais y passer. Moi aussi, je vais jouer campeur. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un mec là. Oh, ça bouge trop en plus. Bon, voilà, c'est fini. Donc, j'ai fait un score de 8-6. Donc, c'est pas top, même nul. Oh, il y en a un qui a fait 15-1, level 68. Donc, lui, je lui dis bravo. Bon, allez,
Je vais en refaire une au sniper, on va essayer, hein. Comme on dit très bien, qui ne tente rien. Non, voilà. Bon, bah, je pense que j'arrête la vidéo ici, parce que, voilà, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce jeu. Et je vous dis à très bientôt.